aujourd'hui, je vais partager avec vous une liste des entreprises qui recrutent à Luxembourg ainsi que les postes à pouvoir. Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Manuela. Alors, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, welcome back! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant pour les personnes qui veulent venir à Luxembourg travailler, pour ceux qui veulent quitter l'Afrique pour venir travailler, pour ceux qui veulent quitter l'Europe pour venir travailler à Luxembourg. J'ai quelque chose de très intéressant à partager avec vous aujourd'hui. Alors, il s'agit ici des entreprises qui recrutent, des entreprises qui recherchent des personnes pour travailler à Luxembourg. Et nous avons une très longue liste, je vous montrerai, et également les postes à pouvoir. Alors, depuis un moment sur cette chaîne, je parle de l'immigration à Luxembourg, venir travailler, et très bientôt, je suis en train de vous préparer les vidéos sur un autre sujet. Il s'agit de venir étudier à Luxembourg. Ne vous dérangez pas, Manuela est là pour vous. Ok? Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et de regarder toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je te mets le lien de la playlist juste en haut. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que j'ai fait 10 autres vidéos au sujet du Luxembourg. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien. Allez cliquer et regarder les vidéos s'il vous plaît. Avant de venir poser des questions, regardez les vidéos, je vous en prie. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une liste des entreprises qui recrutent à Luxembourg ainsi que les postes à pouvoir. J'espère que c'est une vidéo qui va vous intéresser. N'hésite pas à me suivre et de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve là sur le site internet du plus grand organisme qui organise les sessions de recrutement au Luxembourg. Alors, il faut savoir qu'ils le font assez régulièrement. La dernière session de recrutement était en mars, je crois. Je l'avais partagé dans une vidéo. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui en ont profité. J'avais partagé, c'était à Paris. Ok, je vous mettrai le lien juste en bas de description. Il s'agit ici de Movie Job. Cette fois-ci, ils sont en collaboration avec l'Université de Luxembourg. Je tiens à préciser que cette session de recrutement est ouverte au public. Parfois, ils vous demanderont de vous enregistrer, mais ça ne dérange pas si vous ne le faites pas. Alors, si vous êtes en Europe, si vous pouvez vous rendre, c'est très 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 important. Pourquoi je vous recommande d'assister aux événements de recrutement? Parce que vous avez la possibilité d'être en contact avec le recruteur directement, de rendre votre CV directement au recruteur. Alors, parfois quand vous postuler directement en ligne, vous n'avez pas de réponse. C'est parce que très souvent, les entreprises, ils ont comme un système de filtrage, des logiciels qui filtrent les CV. Donc, parfois, votre CV n'arrive pas au recruteur. Donc, ici, c'est une opportunité pour toi d'être en contact avec le recruteur et de donner ton CV directement au recruteur. Donc, je vous recommande d'assister à ce type d'événement. Pour la petite histoire, moi, j'ai eu un contrat comme ça à un événement de recrutement. Donc, ne simplifiez pas cette opportunité. Alors, l'événement se déroule au Luxembourg. Il s'agit du 29 septembre 2023, un vendredi, de 9h30 à 17h à Lux Expo. Alors, c'est très facile de se retrouver. Le Luxembourg est un très petit pays. Donc, et les transports sont gratuits. Donc, dès que vous arrivez à la gare du Luxembourg, il y a un tram qui va directement à Lux Expo. Ok? Alors, je vous recommande d'aller avec vos CV. C'est très important. Imprimez-les et faites bien vos CV selon les offres. Ok? Donc ici, j'essaie de parcourir avec vous le site internet de Movie Job. Donc, l'entrée est libre. Ok, l'entrée est bien libre. L'enregistrement n'est pas obligatoire. Et là, il y a une petite présentation et il y a le nom des entreprises qui seront présentes.
Ok, donc je vous recommande de regarder les entreprises qui seront présentes. Et c'est aussi un indicatif pour vous dire, ce sont des entreprises qui recherchent actuellement au Luxembourg. Plus de 100 entreprises. Et ils ont écrit que la liste est non exhaustive. Donc ça veut dire qu'il y en a plus si vous recherchez. Vous voyez bien qu'il y a les opportunités au Luxembourg, c'est à vous de chercher. Je vous ai montré ces cas pratiques parce que je reçois des questions sur Manuela. Est-ce que tu peux nous dire les entreprises qui recrutent actuellement au Luxembourg? Voilà, je vous montre et c'est même une occasion d'aller rencontrer ces entreprises en face et remettre vos CV. Alors par exemple, vous voulez postuler dans le domaine de l'audit financier, du compliance. Par exemple, vous avez des entreprises. Si vous voulez postuler dans le domaine de la banque, vous avez la BIL qui recrute, vous avez BNP qui recrute. Vous avez plusieurs banques qui recrutent, les amis. Allez-y, regardez les offres d'emploi et postulez. Et je vous donne un petit secret. Vu que si vous avez la possibilité d'assister à l'événement, je vous conseille déjà de postuler maintenant. Peut-être vous pourriez avoir un job avant septembre, qui sait. Mais si l'entreprise ne vous fait pas un retour, parce que j'ai reçu des messages comme quoi, Manuela, j'ai postulé mais je n'ai pas eu de retour, voici l'occasion d'aller rencontrer l'entreprise si tu as la possibilité. Je le recommande à 100% les gars, je vous... Anyhow, la personne qui veut m'écoute. Ok, et ceux qui sont à l'étranger, voici une occasion pour vous de postuler, de regarder les offres de chaque... Il y a moins de 200 entreprises, donc vous pouvez chaque jour vous regarder s'il y a des offres dans votre domaine d'activité, dans votre secteur d'activité. Je tiens à préciser qu'une entreprise peut recruter dans plusieurs secteurs d'activité. Vous voyez la banque peut recruter une personne en marketing, vous voyez... Enfin, c'est pas seulement genre la finance, la finance, la finance. Donc, allez sur les sites dans les entreprises et essayez d'être curieux, les amis. Internet, ce n'est pas seulement pour Facebook, Instagram. C'est aussi pour chercher, pour fouiller. Ne prenez pas seulement... En fait, sur YouTube, on vous donne des grandes lignes, par exemple. On ne vous donne pas tout. Donc, c'est à vous d'aller fouiller. Ok, guys? Ok? Parce que je reçois souvent des questions très faciles, genre, si vous-même, vous essayez de chercher, voilà, ça va vous rendre la tâche facile. Parce que moi, je n'ai pas tout le temps à répondre à vos questions, à vous guider pas à pas. Vous-même, vous pouvez chercher les réponses de vos questions sur Internet. Ok? Donc, après, si vous avez des questions spécifiques par rapport à l'événement de recrutement, vous avez une adresse mail, là, que vous pouvez... que vous pouvez utiliser en cas de problème pour poser vos questions et aussi vous avez un numéro de téléphone. N'oubliez pas vraiment de naviguer sur le site internet. Il vous montre aussi des questions fréquemment posées qu'ils ont répondu. Donc n'hésitez pas vraiment à naviguer pour avoir plus d'informations sur l'événement. Alors ici, je vais vous montrer quelques offres d'emploi. On peut bien voir qu'ils indiquent ici qu'il y a des offres d'emploi ainsi que des offres de formation. Je n'ai pas plus d'informations sur les offres de formation. Je vous ai montré tout à l'heure l'adresse mail. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, posez les questions, écrivez à cette adresse et posez-leur les questions. Donc vous pouvez dérouler là pour voir les formations qui sont offertes. Là nous allons regarder les offres d'emploi assez rapidement. Je vous montre juste quelques offres. On peut bien voir qu'il y a pratiquement 6000 offres d'emploi. Et là, cette section, bah, ce sont des filtres. Vous pouvez appliquer les filtres selon votre profil. Ok, il y en a plusieurs. Et là, on peut voir les offres en comptabilité, en cuisinier expérimenté. N'oubliez pas de cliquer pour voir le détail des offres, en agent d'appel. Vous voyez, sous-directeur, en éducateur. J'ai reçu des questions sur Manuela, est-ce que l'enseignement et tout ça, il y en a des offres ou pas? Voici l'occasion pour vous de fouiller ce site et voir si vous avez des offres qui vous correspondent, les amis. Donc, c'est dans cette vidéo, je voulais juste vous montrer très rapidement les offres et cette belle opportunité pour ceux qui ont la possibilité d'assister à cet événement de recrutement. Allez-y, ok?
Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé ce que je partageais avec vous. C'est quelque chose qui va vous aider. Alors, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner et de partager ma vidéo autour de vous. Et merci, et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!